station où j'attends depuis une couple d'heures. Aveuglé par les néons, c'est là l'entrée du bord. Les grandes lunettes épaisses et noires qui sont parchées au bout de son nez laissent deviner des yeux charognards qui chassent un sujet à dévorer. La tête un peu dans brume, les yeux dans graisse d'épine. Je me sens lâche, je me sens heureux. Le doc tranquille sort son égouine. Assis, je me divertis jusqu'à ce que soit passé. L'idée de me soumettre aux supplices de pensée. Je m'évache dans ma propre tête en plaisant jusqu'à ce que soit atteint le confort. C'est que sur la quête des consciences, à la partie se tourner cette astide vie qui se donne à vacuité le contentement de l'essence. L'illusion de l'extase, l'excès de l'insignifiance. Ah! La tête en deux, puis m'installe une belle peinture. L'écran qui griche devant les yeux, la vie des riches, leur peinture. Je sens ces dragons en noir, puis dans le fond de ma tête, le bloc est en forme qui accélère. Je me sens vivre pour la première fois alors que mes sentiments reviennent tout à l'écran. Je me plains à mépriser ces ratés pour qui je vote si souvent et qui finiront par me faire vivre de grandes émotions lorsqu'enfin sont étalés leurs bas instincts en direct à la télévision. Incapable d'opinion, la pensée que la chose sur mon front, se sentir investi d'une grande mission. Continuer la diffusion de lui par répondre et capitale et la demande générale. Venir les vacances d'ados de mon archevêque, prêche à parole des portefeuilles pour maintenir l'alignation. Les grosses michelines assises seules dans leur salon. Pas au grand guerrier de la disparition des malimites. La grande scène, il fait des bêtes vers la fabrique de divertissement à 5 scènes.